Amandine Frodon, bonsoir. Bonsoir. C'est un peu Casino Royale pour toi, donc tu es un peu James Bond. Ouais, James Girl. Non, tu es James Bond. Ah oui. Maintenant, James Bond, ouais, ça peut être noir. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais pas de problème. Voilà. Je prends le 007. Alors, Frodon, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Non, parce c'est que un E et c'est pas un O. Voilà, on avait la voix de Sam Gamgee avec nous. Ah, bien, d'accord. T'as pas suivi. Oui, si, bien sûr. Il me semble que c'est le camarade. J'adore sa voix en plus. Le camarade Lemoine qui fait Sam Gamgee. Ouais. Il nous a émus. C'est excellent. Oui, c'est alors excellent. Il dit faut pas trop abuser. Donc on arrête les blagues. J'ai l'oreillette humaine qui vient de me dire ça. Une vraie oreillette humaine. C'est donc, bien, ça. Toi, tu es l'auteur, actrice du petit Nicolas. Co-réalisatrice. Co-réalisatrice du petit Nicolas. Avec ma main sombre. Alors, il y a d'ailleurs le petit Nicolas qui vient, hurler, mais c'est bien. Et donc, alors j'ai bien envie du peu que j'ai vu, ces mises en abyme du petit Nicolas. Oui, complètement. Non, c'est complètement ça. En fait, on voit les deux auteurs du petit Nicolas, donc Jean-Jacques Sempé et René Goscinny. Mmh. On les voit dans le film, on explique cette histoire d'amitié et on explique dans le film comment ils ont créé ce petit Nicolas. Ouais. Donc on a le monde des auteurs et quand on les voit dessiner et écrire, on bascule dans l'univers du petit Nicolas, comme si on rentrait dans le livre et plongeait dans les nouvelles du petit Nicolas. Alors comment ça s'est construit cette idée géniale, parce que c'est vachement bien. Merci Nicolas, au revoir Nicolas, on parle du petit Nicolas, il y a Nicolas. Ah, il y a un grand Nicolas. Il est marié, pareil. Et président du jury, donc c'est quand même la classe. C'est quand même la classe. Bah ouais, quand même. Comment s'est construite l'idée de cette mise en abîme que je trouve, parce que ça renouvelle le genre, parce que sinon on aurait fait le petit Nicolas qui était interprété au cinéma avec des humains. Oui, c'est-à-dire que le petit Nicolas, il y a 222 nouvelles, donc juste à bosser des petites nouvelles comme ça, ça aurait pu être ça, mais c'était pas forcément le projet. Et en fait, c'est Anne Goscinny qui a eu ce projet-là de rendre hommage à son père. Ouais. Et au départ, elle voulait mélanger des images d'archives, des vidéos d'archives de son père et de Jean-Yves Sempé, en mélangeant des séquences animées du petit Nicolas. Ouais, c'était pas mal. Et c'était une bonne idée, sauf que les images d'archives sont assez de mauvaise qualité. Ouais. Et on s'est dit, ah, ça va être un ils peu compliqué. On peut le dire, le format correspond pas. Voilà, oui, c'est possible, mais c'était un peu compliqué. Et les producteurs ont dit, mais en fait, il faut qu'on fasse tout le film en animation, et ça rendrait encore plus un hommage aux auteurs dans leur style du dessin. Donc on est parti sur ça. Donc, ils t'ont contacté, toi, parce qu'ils avaient vu tes épisodes. Précédent. Oui, ils connaissaient. Tu t'es fait connaître par quel travail pour qui justifie qu'on dise non mais c'est Amandine. En fait, ils ont vu le Seigneur Isano, ils ont dit nous Frodon et sur un malentendu c'est pour le. Sauf que j'ai pas autant de poils sur les pieds que Frodon, donc voilà. Mais en fait, l'idée c'est un des producteurs qui est sur Valence. Valence dans la Drôme. Non, la Drôme, oui, pas en Espagne. Non, parce qu'il y a Valencia, il y a Valenciennes, parce que j'avais quelqu'un de Valenciennes. Valence, tout simplement. D'accord. Dans la Drôme. Voilà. Et c'est un studio qui s'appelle Foliascope. Et c'est Pascal Lenotre qui avait eu cette idée-là, qui devait produire le film. Et finalement, ils n'ont pas eu assez d'argent pour le faire. Ouais. Donc c'est le producteur Aton Soumache et Lilian Hush, deux producteurs, un parisien et un du Luxembourg, qui ont repris le projet. Et qui ont monté le projet, et moi ils m'ont demandé est-ce que tu veux suivre le projet ou pas. Je dis bah oui, moi je suis à fond dans ce projet, j'y crois à fond, et je le suis, et j'y crois, même s'ils n'avaient pas encore le financement. Et au niveau des sorts, c'était assez compliqué justement de lier ces deux mondes, et ils ont fait appel à Benjamin Massoubre, que Aton connaît très bien, qui est un monteur de formation, qui c'est a monté. Super important, hein, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a du mal à se rendre compte, c'est que le montage est vraiment très important, et en animation, on fait le montage en amont, et comme ça on produit juste les plans dont on a besoin, parce que ça coûte sinon trop cher. Ça fait c'est pas de la 3D non, c'est du dessin, c'est tout dessiné, c'est du dessin animé classique, c'est tout si dessiné classique à l'ancienne, on s'est vraiment référé au dessin de Jean-Jacques, et voilà, on a vraiment été le plus fidèle, le plus sincère possible à son univers. Alors toi t'arrives, tu convoques des gens un peu comme une magicienne, tu fais summoning, on dit en anglais, tu fais surgir. Alors comment tu t'organises dans ta tête avant pour l'invocation finalement?
Mais le plus important quand on réalise, c'est de tout préparer. Ouais. Donc il faut, déjà avec Benjamin, on réalise tous les deux, donc il faut avoir la même idée du film final, donc être vraiment en accord sur ça. Vous discutez avant? Oui, ben bien non, sûr. enfin, bon, ben... Ouais, un peu tout, hein. On mange, on boit, normal. Non, mais voilà, donc ça c'est vraiment, la préparation est vraiment très très importante. Et on appelle, on travaille avec une équipe de storyboard, donc on leur dit séquence par séquence ce qu'on veut, les plans, des fois on fait des petits croquis, voilà, et donc ils finalisent ces séquences, donc on a des séquences découpées. Où ils travaillent en parallèle et donc on travaille avec eux sur ça pour aller plus vite. On est obligé de, parce que tout seul on mettrait trop de temps. Et là on pose les voix, on met des indications de durée, de temps, de décor, de personnages. On définit tout et on est le plus précis possible et on se sert de ça pour monter, faire une sorte de premier montage. Et c'est les voix en fait qui donnent la durée des plans. Donc pour nous, les voix, d'enregistrer les voix des acteurs et des comédiens, des comédiennes, c'est vraiment hyper important parce que ces voix vont nous donner le ton, l'intonation et la durée des plans. Et nous, on se focalise sur ça. Alors, le film est déjà sorti ou pas? Le 12 octobre au cinéma. Oui, donc, parce oui, que j'en ai entendu parler sur France Inter, France Culture et ils en disent le plus grand bien. Mais j'espère bien. Est-ce qu'il démarre bien parce qu'on en dit du bien ou il y a du monde qui va le voir? Plus de 100 000 entrées, merci. Ah oui, mais oui, ouais, c'est. Ah oui, quand même. C'est... Non, c'est. Ça a démarré un peu doucement, ouais. Le temps que les gens connaissent le film passe au cinéma. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et de bonnes critiques aussi des journalistes. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et souvent, quand on se rend compte que les enfants amènent les parents amènent leurs enfants pour voir le film, et les parents. Sont ceux qui sont les plus touchés. Et quand on en parle avec eux, c'est eux qui prennent le micro et qui disent qu'ils ont été hyper émus. Nicolas aussi. C'est ça. Et surtout que dans le film, on a voulu vraiment intéresser donc la famille et autant les enfants que les parents. Donc dans l'histoire, dans la structure de l'histoire, on a essayé de construire ça, d'apprendre des choses pour les adultes tout en intéressant les enfants. Donc c'était assez compliqué. Mais les voix adultes, il me semble, il y a Alain Chabat. Oui. Et Laurent Lafitte de la Comédie Française, on va le dire ça. À chaque fois, sinon c'est ça. En chair. Et... donc il est habitué à faire des voix, ses parents travaillent, son père notamment travaille dans le métier, donc il a appris le métier très tôt, et il est passionné par ça, il le fait avec plaisir, il a toujours le sourire, enfin, c'est un petit garçon de 13 ans qui est très très doué, qui est très professionnel, et qui prend vraiment plaisir à faire ce qu'il fait, et il est très très impressionnant. Alors, dernière question, parce qu'on doit aller manger, est-ce que... Il peut avoir un futur et une pause des doublages en anglais et d'autres voix à travers le monde. Ben, pourquoi pas? Parce que moi, je pense pourquoi que c'est un film qui se déguste dans le monde entier, quoi. Oui, oui, il est, ben, le petit Nicolas est très connu comme personnage. Alain Chabat et Laurent Lafitte, aussi. Ouais. Et Anne Goscinny aussi. Donc c'est vrai qu'on a la chance de travailler sur un projet où il y a des personnes connues et ça fait ça fait la buse comme on dit chez les oiseaux. Exactement et c'est vrai que c'est quand même assez agréable de donner vie à ce petit personnage qui lie les plusieurs générations et ça c'est très touchant. Amandine Faudon, merci. Merci beaucoup.